Avant, on attaque l'offre spéciale. Est-ce que vous êtes prêts? Les tambours. 3, 2, 1. Et salut à toutes les truites et truites. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Ça y est, on est de retour à la maison. Enfin, ça fait plaisir. Ça manquait entre Cuba, entre l'Allemagne pour la Gamescom. Enfin, de retour. Et au programme, les amis, on commence fort. Comme vous le voyez, offre spéciale disponible. On va aller découvrir cette offre spéciale. J'espère un coffre légendaire. Pourquoi? Pour tout simplement débloquer un méga chevalier. Ça me permettrait de le passer niveau 2 pour Rush Ladder. C'est clairement pas dégueulasse. Dites-moi en commentaire. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu d'offre spéciale et quelle a été votre dernière offre spéciale? Est-ce que c'était un coffre épique? Est-ce que c'était un coffre légendaire? Est-ce que c'était une offre spéciale d'arène? Faites-moi péter cet espace commentaire. En ce moment également, je vais en profiter pour vous le dire, sur mon nouveau Twitter, il y a un concours carte Google Play ou iTunes de 15€ à gagner. N'hésitez pas à les checker. En objectif de pouce bleu, on va envoyer du très très lourd pour le retour. Un objectif de 10 000 pouces bleus parce qu'on va aller ouvrir cette offre spéciale. On va la packer, quoi que ce soit. J'espère vraiment que ce sera un coffre légendaire. Et derrière, on fera un petit rush ladder parce que ça fait très longtemps que j'ai pas rush mes trophées. Comme vous le voyez actuellement, 4291 trophées. On va essayer de passer les 4300 ensemble. Avant, on attaque l'offre spéciale. Est-ce que vous êtes prêts? Les tambours. 3, 2, 1. Oh, monsieur, le coffre légendaire qui fait plaisir. En plus, on a un shop du dimanche. Malheureusement, pas de méga chevalier. Alors, on fait les petits achats quotidiens, comme d'habitude. Deux géants royal. On achète tout. On achète tout. Et je vais même prendre les épiques. Alors, ça, je vous le conseille pas de le faire parce que ça coûte quand même assez cher tout cet or. Et quand vous donnez une épique, ça donne seulement 500 d'or. Donc en soi, c'est pas rentable. Vous gagnez pas d'or, mes petites truies. Donc c'est pas intéressant. Et le coffre légendaire qu'on va aller ouvrir ensemble. J'espère paquer ce petit méga chevalier. Sinon, à part un méga chevalier, qu'est-ce qui m'intéresserait? On va regarder ensemble. On va les trier par légendaire, les amis. Par rareté, c'était très très bien. On va regarder tout en bas les légendaires. Alors un molosse, on n'en veut pas. Le zapier, on n'en veut pas. Le bûcheron, j'en veux pas. Le dragon TDE, tiens, qui revient un petit peu dans la méta. Je dis pas non. Ça me permettrait de le passer niveau 3. La bûche, je dis pas non. La voleuse aussi, je dis pas non. Une princesse pour la passer niveau 3, je dis oui monsieur. La sorcière de nuit, tiens, pour la passer niveau 2 aussi, ça serait pas dégueulasse. Et surtout bien évidemment le méga chevalier électro-sorcier, je prends également au passage. Vous avez suivi je pense. Dites-moi tiens, vous pensez que je vais avoir quel légendaire? Alors moi si je devais parier sur un molosse, vous le savez, je suis abonné au molosse comme toujours. Donc bah, on va tout donner, on va tout donner. On croise les nageoires, on croise les merguez également au passage. 500 gemmes pour ce coffre légendaire, soit l'équivalent de 5€. Attention. Oh ok. Ok. Un mineur. Un mineur. 6 sur 10. C'est pas terrible, les amis. C'est même très très nul. Bientôt niveau 4. Il nous faudra encore 4 des mineurs. Bon bah, je crois que je suis abonné aux mineurs en ce moment. Un petit peu choqué, déçu. Mais ce que vous voulez, on va pas refaire le monde. Je vous montre un petit peu le deck avec lequel je vais attaquer. Un deck qui est assez lourd. 3,3 d'élixir. Il coûte pas cher. Quand je dis lourd, c'est qu'il est fort. Hein, qui casse du litchi. Donc le PK en gros tank. On a un mineur, les petites chauves-souris, la petite voluse, l'électro-sorcier avec l'esprit de glace qui coûte pas cher, qui permet de cycler. Et on sort le poison et le zap. Il faut savoir que c'est un deck qui counter parfaitement le deck PK cochon. C'est pour ça que je le joue pas mal en ce moment. Si jamais je tombe sur du méga chevalier, ce sera la même chose. On va plutôt bien le contrer entre la voleuse qui tank plutôt bien le méga chevalier. On a également le mineur pour tanker le méga chevalier, mais surtout le PK qui va le découper en deux. Donc les amis, on va pas perdre de temps. On envoie tout de suite l'attaque. Et ben on espère que ça va payer. Let's go les 4300. 4300 pour commencer tranquillement. Et là, ben, ce qu'on va faire, c'est partir tranquillement sur un Ice Spirit avec la petite voleuse. Voilà, petite offensive tranquille. J'aurais peut-être dû la mettre un petit peu plus sur le pont. Là, clairement, je le laisse le temps de réagir. Ok, barbare d'élite. Alors là, je pense être pas trop mal. Barbare d'élite. Moi, je joue PK. Donc, autant vous dire que ça va faire mal pour Francis. Alors, attention, là, on va zap. Ok, c'est bon. C'est géré. C'est géré, les gars. C'est géré. C'est parfaitement géré. On a les petits gobelins lance ici qui vont se faire découper par la tour. Et là, on va tout simplement accompagner ça. Des petites battes, on rajoute le petit esprit de glace qui va permettre de geler cette petite TDE. Allez Francis, allez, allez, l'esprit là. Oh non, la voleuse du coup qui ne servira à rien. Elle va même se faire découper par cette petite armée squelette. Mais je suis plutôt confiant sur la suite. Je sais maintenant qui joue Barbare d'élite. Je sais qui joue TDE. J'ai un électro-sorcier pour gérer cette TDE. J'ai le zap également, les petites chauves-souris. Le mineur, ça fait pas mal de petites choses. On va voir un petit peu ce que va donner la suite. Alors, qu'est-ce qu'il me joue? Un mineur. On va le gérer au PK. Au PK. Le petit zap ici. Hop là. Voilà, c'est géré. C'est géré les gars, on panique pas. On panique pas, ça va passer comme Pépé dans Mémé. Ok, il m'envoie la TDE. On va envoyer les petites chauves-souris comme d'habitude. Et le petit sorcier de glace derrière. Le petit électro-sorcier. Allez, 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 faut aller, m'électrocuter ça maintenant. Oui, monsieur. Oh,
L'armée squelette qui va me mettre en PLS ici. Et c'est bien joué de la part de l'adversaire, hein. Pour l'instant, il défend bien, j'arrive pas à passer. Alors attention qu'il ne joue pas des barbares d'élite là, parce que clairement je serai pas bien. J'ai pas le PK, on se prépare pour le PK. 5 d'élixir, on passe à 6. Le 7ème qui arrive. Alors dites-moi tiens ce que vous pensez de ce deck en commentaire, faites-moi péter cet espace commentaire. Moi je le trouve clairement pas mal, hein. Il fait le taf et j'ai pas mal de victoires avec. Je fais pas que gagner, mais j'en fais pas mal. Ok, là on panique pas, le petit zap des familles. Oh, les petits gobelins couteaux ici qui vont poser problème. Ok, c'est géré, c'est géré, c'est géré. Il joue un électro. Alors l'électro, c'est pas une bonne défense contre la voleuse. Vous allez voir pourquoi. Voilà, le dash qui passe. Et on va avoir besoin d'un petit esprit de glace en plus, les amis. Oh, il a joué la TDE, je trouve, assez tôt, les amis. Et ça, c'est plutôt bon pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va mettre un mineur. On va clairement... Oh, ça, c'est tricky. C'est tricky. C'est tricky. Je vais partir sur un poison. Et le zap derrière. Voilà, le zap qui est géré. Allez, on découpe. Oh, l'armée squelette. Oh, qui attire mon PK. Ça, c'est plutôt triste. On a l'esprit de glace qui connecte sur la tour, mais pour l'instant, c'est pas la folie furieuse, hein, clairement. Oh, allez, allez, dash-moi ça. Allez, Francine. Ok, c'est bon, c'est défendu, les gars. C'est défendu, par contre, il est pas trop mal, hein. Il est pas trop mal, il a réduit ma tour à 2092 PV. Et là, je suis pas très fan de sa TDE. C'est pas très très bien joué, je trouve. Oh, l'armée squelette ici qui va être zap. Instantanément, le mineur qui va se mettre bien. Et tout de suite, on envoie le PK, les amis. Tout de suite. Ce PK pas piqué d'un tour, le petit poison ici. Oh, ça c'est dur. Ça c'est dur, les amis. Oh oh. Là j'ai des problèmes. J'ai des problèmes, les gars. Oh putain, non. 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 Non, non, non. Tu me la voles pas, Francis. Il va me la voler. Il va me la voler, les gars. Il va me la voler. Oh my god. La défaite. On commence sur une défaite. Alors j'ai mal géré. J'aurais peut-être dû garder le PK pour les barbares d'élite. C'était bien joué de sa part d'attendre que le PK soit joué pour envoyer les barbares d'élite. Ce qu'on va faire, c'est se faire ce petit pack opening. On va gemmer ce petit coffre en argent. Pas de miracle pour ce coffre en argent. Et on va rebalancer la sauce tout de suite. On baisse pas les bras. On baisse pas les bras, les gars. On va y arriver. On va y arriver. Do it, Francis. Do it. Alors. Pour l'instant, on va temporiser, attendre comme d'habitude de monter à 10 d'élixir. On va commencer tranquillement par les bats. Fond de map. Ouh, ça joue golem. Ça joue golem. Donc, ce qu'on va faire, c'est balancer un Ice Spirit ici qui va permettre de geler la tour. Et ça pourra. Ok, on va enchaîner avec une voleuse. L'idée, c'est vraiment lui faire dépenser un maximum d'élixir. Et regardez à droite les petites moustiques. Avec. Oh, le dash ici qui paye. Et on envoie nous tout de suite le PK. Alors là, il a fait une grosse erreur, les amis. Je vous le dis. Oh, le poison ici. Allez, 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 le poison. Voilà. C'est ça qu'on veut, les amis. C'est parfaitement géré. Voilà les archères qui tombent. Le golem qui tombe. Et on va enchaîner avec les petites battes. Les petites battes. Oh, attention. On va mettre vite ici le petit Ice Spirit. Et regardez cette défense qui est parfaite, les amis. On l'a clairement mis en PLS. C'est ce qu'on appelle une PLS. Alors, on va temporiser. On va temporiser après cette PLS. 1245 points de vie à droite. On va envoyer une voleuse. On envoie une voleuse tranquille. Histoire de mettre la pression. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, Tombstone. La Tombstone qui va être gérée. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mon PK qui va pouvoir aller tout droit. Oh! Le golem qui a été envoyé. On a envoyé le PK. J'aurais peut-être dû envoyer un mineur et vraiment temporiser pour le PK. Petite erreur, je pense, de ma part. Mais on va essayer de se rattraper. On va essayer de se rattraper. On va envoyer un mineur là. C'est parti, mineur. Allez, mineur, bat. On envoie la totale. On envoie la totale, les amis. Le zap ici. Allez! Voilà! On force des flèches. C'est plutôt pas mal. Et le golem, regardez, qui est tout seul. Étant donné qu'on a forcé des flèches, des chauves-souris, 5 d'élixir, il a pas pu l'accompagner comme il le voulait. Ici, on va se mettre un électro. Hein. Petit électro, voilà, qui va permettre de temporiser. Et la défense, encore une fois, qui est effectuée, les amis. Tout de suite, voleuse. On va vraiment mettre la pression sur l'adversaire. On va pas le laisser jouer son golem. Ok, il replace une tombstone. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. On va renvoyer un mineur. Un petit mineur poison, je pense. Un petit mineur chauve-souris. Mineur chauve-souris, ça le met en PLS. Il joue des flèches. Ok. Le golem envoyé en frontal. Nous on enchaîne tout de suite. Oh, il part en all-in. Il part en all-in, les amis. Allez vite, la spirit. La spirit, faut geler ça. Faut geler ça. Oh, j'ai peur qu'il prenne la tour là, les amis. 500 PV, l'explosion de golem. Ok. Le petit électro derrière. Ok, je perds la tour. Je perds la tour, les amis. J'ai peut-être trop défendu. Mais c'est pas grave. On a pris la tour, nous aussi. On a pris la tour. Oh, il est énervé là. Putain, what the fuck, les gars. C'est quoi son délire à 36 là? Attendez, là on va zap quand même. On prend beaucoup de dégâts. On prend beaucoup, beaucoup de dégâts. J'aime pas trop ce qu'il est en train de me faire. Hein. J'aime même pas du tout ce qu'il est en train de me faire. Alors,
Ok, go. On y va, 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 on envoie tout. On envoie tout. Du caca poupou. Alors j'étais en train de vous dire que ce deck était lourd. Je suis en train de me faire déglinguer. Bon, full défaite, full défaite. Voilà la vidéo, full défaite les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Tiens, petite question que je vais vous poser. Est-ce que ça vous fait chier de voir des défaites? Ou au contraire, bah c'est bien. Vous voyez un petit peu bah, comment je joue réellement. Alors je vous montre un petit peu. Je vous spoil pas les scores de Kawa. Mais regardez, avant les trucs de Kawa ici. Victoire, victoire, égalité, victoire. Victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire. Voilà, en fait il faut que je passe en live pour perdre. Donc les gars, faudra m'expliquer un petit peu ce qui se passe. Je ne comprends pas, j'essaierai de vous faire mieux. Pour la prochaine vidéo, faites-moi péter cet espace commentaire. Et j'attends vraiment vos retours, est-ce que ça vous fait chier de voir des victoires la prochaine fois? Je travaillerai à ce niveau-là pour vraiment vous, bah, vous caler que des victoires, histoire de kiffer. Enfin, est-ce que ça vous fait chier de voir des défaites? Vous m'avez compris, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, de vous abonner, mon Insta, mon Twitter, mon Snap, mon Facebook, vous êtes la totale en description, n'oubliez pas le petit concours également sur Twitter. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo. Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, Percocet, rep the set.